Il était une fois en décembre 2014. Ça a failli être en 2004. Ça fait pas si longtemps. Mais c'était pas 2015 de toute façon. Attends, 2015? Non. 2014. Bon, j'avais raison. Et c'était Noël. Attends, je vais faire un arbre de Noël. Est-ce que c'est ça, un arbre de Noël? Avec des boules? C'est pas mal ça. C'était Noël. Non, attends. Non, faut qu'on recule encore. Ça commence bien plus tôt que ça. Ok, la première fois, on a entendu parler l'une de l'autre. Ok, donc c'était à l'université. Je vais faire une université. Comme, tu vois, et là, il y a une porte. Puis là, il y a des fenêtres, parce que c'est pas une prison. D'accord. Ok, j'ai rencontré une fille. Je vais aller faire une jupe parce que c'est une fille, des cheveux. Il s'appelait Maureen. Elle était cool. Attends, je lui fais des lunettes si elle était cool. La prochaine fois, fais des bonhommes plus grands quand même. Regarde, les lunettes, elles ressemblent à rien. Mais non, elle est belle. Et on est devenus amis tout de suite parce qu'on était vraiment cool ensemble. Puis pas parce que je voulais me la faire, mais parce qu'on était juste amis. Amis. Ok. Bon, cette histoire ne parle pas d'elle, mais de son amie. Oh, c'est toi, ça? C'est dégueulasse. Non, attends. Que c'est des seins? Ouais, c'était seins. Moi, j'étais en Australie à ce moment-là, pendant que Maureen, justement, l'amie commune qu'on a avec Carla, était à l'université, c'est là où elles se sont rencontrées. Maureen me parlait aussi de Carla quand j'étais en Australie. Attends, tu faisais du surf en plus. Oh mon dieu, j'étais si... Trop mal, fais des requins, c'est l'Australie. Ah oui. Là, t'es plus contente, là. Donc, elle me disait que Carla était sa copine, mais évidemment, juste sa copine, parce que, encore une fois, Maureen n'est pas lesbienne. Mais moi, pour être honnête, je m'en foutais un peu, parce que bah, j'étais en Australie à faire du surf, et en gros, bah, j'avais autre chose à faire que d'entendre que Maureen s'était fait des nouvelles copines. Tu t'en foutais. Donc là, on revient en 2014, et pas 2015. Ok. Donc, j'ai décidé d'aller à Québec pour Noël. Fais encore un sapin de Noël. On fait un beau sapin. Oh, moi, wow. J'aime Noël, c'est... Regarde, je vais même faire des petits cadeaux. Oh là là, c'est beau. Ok. J'ai merdé un peu. Donc, j'ai décidé d'aller à Québec pour Noël pour revoir mes amis, dont Maureen. Et Maureen était super contente parce que j'allais enfin pouvoir rencontrer sa copine de fac, Carla. Donc là, c'est Maureen qui me dit « Ah, elle est trop cool !» en parlant de Carla. Bien sûr, parce que je suis trop cool. Et là, c'est moi. Alors moi, tu vas voir comment on dessine bien les bonhommes. Donc là, c'est okay. Moi. Ok. Oh, wow. Regarde comme je suis contente. Je me fais des gros seins, allez. Je suis aussi beaucoup plus oh, grande wow. Que vous tous. T'es vraiment grande, hein. Donc voilà. Mais encore une fois, moi... T'as des pantalons d'hiver. Bah oui, il fait chaud. J'ai un bonnet, tiens. Ah ouais. C'est très bizarre, cette image de toi. Bon, faut préciser aussi que Maureen ne voulait pas nous mettre en couple. Ça, c'est moi. Donc, pas en couple avec toi, tu comprends? D'accord. Ok. Parce qu'à ce moment-là, Carla était en couple avec une autre fille. Ouais. Qui, elle, avait des petits seins. Mais par contre, elle avait des super beaux cheveux. Okay. Ça, faut l'expliquer. Ah ouais, faut ok. Faut préciser. Pourquoi? Ok. Bah, ils sont frisés. Oui. Toi, t'es vraiment grande. Comme, regarde la différence entre toi, moi. Ok, là, mon ex aussi, elle était très grande et des petits seins. Ok. Du coup, Maureen, elle a organisé une rencontre dans un café. Donc, il y avait toi. Arrête de nous faire petit. Mais t'es contente? Ben, c'est parce que tu vas être dans le café. Puis, t'étais aussi avec un ami à toi. Pourquoi il a une... Vous étiez là d'accord. À nous attendre dans le café. Et moi, je suis arrivée. T'es arrivée tu vois, par là. Je suis dedans. Je suis arrivée par là. Oui. Putain. Bon, je suis dedans. Pourquoi tu te fais le haut de ton crâne. Attends, j'avais un bonnet aussi. Bon, je suis arrivée avec Maureen. On était en jupe, même livrée. Oui. Elle aussi, elle avait un bonnet. Pas de chance. Donc on est arrivé et là, moi et Carla on s'est regardé. Elle a coup de foudre. Il y a eu un petit truc. Il y a eu un petit truc. Mais encore, n'oublions pas que Carla, elle
elle était en couple à ce moment-là avec une fille aux beaux cheveux et petits seins. Ok, ouais, mais toi, t'es resté vraiment gros coup de foudre. Hein. Mais toi aussi, regarde par là, là. Non, regarde. Donc voilà, on a mangé à ce café, c'était très bien. Et même qu'après, c'était tellement bien que j'ai dit à ma copine Maureen que je voulais épouser Carla. Pourquoi t'as plus de cheveux là? C'est parce c'est un voile. Ah! Là, c'est un mariage. Ok. Regarde là, je vais tenir un petit bouquet de fleurs. Ouais, sauf que moi, j'étais en couple avec une autre. Toujours la même en fait. Avec les cheveux et les seins petits. Toujours la même, oui, quand même. Regarde comme elle a encore l'air heureuse. Pas pour longtemps. Du coup, là, on n'est plus en 2014, on est en 2015. Quelques jours après Nouvel An. Ouais. Janvier 2015, allez, on va mettre même janvier. On s'est vu pour un brunch. Encore. Ça, c'est des œufs. D'accord. Et des saucisses. Et du bacon. Voilà. Ça a l'air appétissant. Puis ils sont pas sur la table, ils sont quand même sur une assiette. On servait pour un brunch. C'est des petits œufs. Et aussi pour Harry Potter. Ah oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, pendant cette soirée Harry Potter, ouais, j'ai cassé... Je fais de la perspective. Oh, wow! La chaise à Carla. Bon, c'était la chaise à Emile, mon coloc, qu'il avait trouvé dans la rue. Voilà, donc, ça c'était moi après. T'es où là? Ah, c'est la chaise. Je suis sur le sol, moi. Je me fais des seins. Regarde, je suis morte. T'as quand même des cheveux. Et des gros seins. Bon, bref, j'ai cassé sa chaise, ouais, mais elle m'en a pas voulu. Non. Si bien que elle m'a ajouté sur... C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est Facebook! Wow, ok. Ah vous? On dirait que c'est un petit lézard. Ok. Du coup, toi, t'es retournée à Londres. Attends, je vais faire un avion, là. Ok. Je vais le refaire, c'est trop beau. Non, attends, il y a plein de... Comment tu fais le... C'est pas ça, un requin. Bon, t'es retournée à Londres. C'est une baleine. Ça, c'est la tour de Londres. Avec la montre. Ouais, Big Ben. Ouais, Big Ben. T'es retournée à Londres et nous, on s'est commencé à se parler sur Facebook. Donc, avec nos ordinateurs, tu vois. Ouais. Et on s'écrivait. Carla, un petit peu tous les jours. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'à cette époque-là, Carla avait des longs cheveux. Vraiment super longs cheveux. Elle me parlait. Ça, c'est moi. Sur son clavier d'ordinateur. Ouais. Parce qu'on a des gros ordinateurs comme ça. Ouais, ouais. Attends, je t'ai fait super heureuse. Ok. Et toi, t'étais où là? Moi, j'étais pas. À Londres. De l'autre côté, du coup, de l'autre côté de la Terre. Ah ouais. Et je t'écrivais aussi. Sur ton téléphone. C'est quoi ça? C'est un clavier d'ordinateur. Il y a quatre touches. Bla bla bla. Et donc, au début, on se parlait de temps en temps. Ouais. Et on a commencé à se parler de plus en plus. Donc en 2015, toujours. Mais pendant l'été. Ouais. Moi, en septembre, je suis allée en Espagne, soleil. Je suis retournée à Barcelone pour les vacances. Et vu que je savais que Louisiane était à Londres, toujours le Big Ben, là. Voilà. C'est le Big Ben. Je pense que c'est clair. Tiens, un truc sur le Big Ben, est-ce que c'est genre... Un truc sur le Big Ben. Mais toi, tu fais pas le haut des gens et des choses, j'ai remarqué. C'est quoi le haut du Big Ben? Mais c'est une... un truc comme ça. Ah, ouais, bah, c'est pareil. Il y a pareil, une roue aussi, c'est le London Eye. Le London Eye. Bon, toi, t'étais là, dessine-toi avec des gros seins, s'il te plaît. Ok, oh wow. Oh my god, t'as pas de bras, t'as juste des seins. Ok. Non, on en fait un là, allez. Je t'ai dit, hey! Pourquoi tu viens pas ici? T'as vu comment j'ai fait ça? Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouais. Et toi, t'as dit... Ok. Ok. Carla m'a invité quelques jours à Barcelone, où évidemment, vous avez tous déjà entendu l'histoire du chien. Attends, ouf, ça va être drôle à faire. attends, je me dessine en train de courir.
oh mon dieu, t'as l'air vraiment effrayée. C'est exactement ça qui s'est passé. Et moi, je suis déjà là-bas, tu sais. Toi, elle est déjà derrière une barrière bien particulière. Du coup, après ce week-end-là, moi, je suis rentrée à Londres. Redessine le Big Ben, s'il te plaît. On dirait autre chose. Fais une montre. Ok. Ok. Ouais, j'aimais mieux mon dessin à moi, ouais. Je suis contentée de faire le London Eye, arrête de m'embêter. Voilà. Ok, t'es retournée à Londres, et moi, bah, je suis restée à la plage. Puis elle s'est dit. Non. Toi, tu t'es dit, pourquoi t'as pas redessiné le London Eye? Bon, je vais le faire sans le truc au-dessus, parce que c'est vraiment okay. Trop... Tennis. Et là, t'as dit, viens. Hé hey. Pourquoi tu viendrais pas à Londres? Et moi j'ai dit, bah ok. Donc, hop! 2 jours après, j'ai pris mes billets d'avion et je suis arrivée à Londres. Super cher! Alors on le dira pas. Et on a passé 2 jours là-bas. Où il y a eu l'histoire aussi du toit. Ah ouais! Il y a eu l'épisode du toit où on a dansé. C'est toi, attends. Toi, t'as les écouteurs sur les oreilles. Ah oui, et on a dansé sur le toit, donc c'était cet épisode-là que vous savez. Mais il s'est rien passé de plus parce que, encore Rappelez-vous Carla avait toujours la copine aux beaux cheveux. Et aux petits seins. Je suis rentrée à Barcelone et après je suis rentrée au Québec. Attends, je vais refaire un petit avion. Ah oui. Et j'étais un petit peu triste de quitter l'Europe. Et de quitter Louisiane. Dessine-toi encore avec des gros seins, s'il te plaît. Ah, mais pourquoi t'es contente, toi? T'es pas triste que je sois partie? Ah oui, merde, pardon. Bon, les deux, on était tristes, puis on pensait l'une à l'autre. Donc moi, je pensais aux seins. Je sais pas ce que moi, tu pensais. Moi, je pensais à toi avec une copine. Mais du coup, après quelques jours de réflexion, j'ai laissé ma copine. Pourquoi t'es contente? Parce que t'as lisé ta copine. Bon, j'étais un petit peu plus soulagée. Du coup, Louisiane, pourquoi tu t'effaces? T'es encore là dans mon histoire. Du coup, en fait, avant même que Carla ne quitte l'Europe, moi, j'avais déjà pris des billets pour le Canada pour passer Noël avec, donc justement, notre amie Maureen. Parce que je savais que cette année-là, elle allait passer Noël toute seule. Tant pis, là, je me fais contente parce que bah, j'ai mes billets d'avion. Ok. Noël 2015. Québec. Donc du coup, j'étais encore plus contente parce que je savais très bien que Carla et moi, on allait se revoir. Et le plan de départ, c'était que moi, je reste dormir chez mon amie Maureen. Mais, bizarrement, car oui, même depuis ce jour, regarde, c'est toi là qui m'a niqué en quelque chose. Voilà. Il se trouve que Maureen s'est trouvée infestée de puces de lit. Ouf. Dans ses affaires et dans sa chambre. Et d'ailleurs, c'est très très bizarre parce que sa coloc avait rien du tout. C'était juste elle qui était faillie. Et depuis ce jour, moi, je suis sûre que Carla a quelque chose à voir avec mais ça. Mais non, regarde comment j'ai l'air bien là. Comment t'as l'air innocente. Je suis triste, hein. Comment t'as l'air innocente. Du coup, bah évidemment, je pouvais plus rester chez Maureen. Et j'avais plus d'endroit où dormir. Alors, Carla, bien gentiment, toute gentille, m'a proposé. C'est comme ça. C'est moi. Tu fais trop peur. Ouais. J'étais comme ça, je t'attendais dans le lit comme ça. Donc évidemment, Carla m'a proposé de rester chez elle. Salut. Alors, vous nous connaissez. On est des filles bien. Ouais. On a quand même attendu le deuxième jour avant de s'embrasser. Oh God. On est vraiment laides. J'ai mis ça dans le passage. Toi, t'embrasses les yeux ouverts, toi? Tu fais vraiment peur. Et en gros, c'est comme ça qu'on s'est mis ensemble. Ouais! La suite... Officiellement, en janvier 2016. Donc imaginez-vous, on s'est rencontrés, il était 1975, ça a pris beaucoup d'années avant qu'on se mette ensemble, mais maintenant, voilà. Et la suite, vous la connaissez, on a voyagé ici, on a voyagé par là, et on maintenant, on a sorti la chaîne YouTube. Oui, aussi, YouTube, wouh! On a déménagé à Barcelone, alors qu'avant, on vivait à Londres. Ouais.
Et voilà, à chaque fois, on est resté ensemble. C'est des seins, ça? Ah non. Non. Oh. C'est nous qui nous prenons la main? Ouais. Ah, oh, wow. Et ça, c'est toi. Pourquoi j'ai pas de jambes? The end. Ooh, mais pas the end. It is just the beginning. Bon, ok. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Encore une fois, on n'est pas maquillés, on est dégueu, on aime ça les vidéos comme ça. Et si vous aussi vous aimez ça, likez cette vidéo, dites-nous dans les commentaires si vous aimez ça. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à cette chaîne. Merci. Qu'est-ce que... Oui. Ah oui, tous nos réseaux sociaux. Give Gaff? Non. Girl Talk? Girl Talk? C'est même pas le nom de ta chaîne Giltal. J'ai refait en plus. Bah abonnez-vous à tout ça là. Et on se voit la semaine prochaine. Bye. Bye.